Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Boaventura de Souza and all the team of CES for the invitation and all the participants to this important rencontre. I apologize because I will speak in French, and I'm sure Uria will enjoy with my French presentation. And I have to read, therefore, I have to read the paper because the translator needs the paper. Le Sud a-t-il un jour, un seul jour, été considéré à l'égal du Nord? Il suffit de regarder les conditions dans lesquelles la Charte des Nations Unies a été initiée et votée par 50 pays en 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant qu'instrument universel adopté par 58 pays en 1948, alors que plus de la moitié du monde était soumise à la brutalité directe de la colonisation, pour comprendre que le souhait occidental d'avoir un monde de paix et de justice était biaisé d'avance. Force est de constater que les résolutions émises, aussi bien dans le préambule de la Charte que dans celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont autant d'injonctions paradoxales qui n'ont servi qu'à donner bonne conscience à la partie occidentale du monde. Injonctions paradoxales, car par un subterfuge dont seuls les dominants ont le secret, cette partie blanchie du monde n'a cessé d'imposer à l'ensemble des peuples des règles qu'eux-mêmes s'autorisaient à enfreindre, à violer, au nom d'un ordre mondial qu'ils ont toujours pensé en fonction de leur seul avantage. Rappelons-nous que ce concept de nouvel ordre mondial est apparu dès 1932 sous le nom de New Deal et est revenu en 1960, sous la présidence de J.F. Kennedy, sous celui de Nouvelles Frontières. Il reviendra en septembre 90, lorsque George W. Bush, devant le Congrès américain, fera part de sa vision pour le futur du monde. Je cite « Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le Golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour. Une nouvelle ère, moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. » Fin de citation. Nous savons aujourd'hui où cela a mené le monde et comment l'un des premiers principes de la Charte des Nations Unies, qui est, je cite, « de maintenir la paix et la sécurité internationale, prendre des mesures collectives efficaces, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et par celui de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. » Donc nous savons comment ce principe a été transgressé, malmené, pour finir par être sacrifié sur l'autel de la domination militaire et financière. Il s'agit bien d'injonctions paradoxales. Elles étaient déjà présentes au moment de l'émergence des instruments internationaux, mais sont encore présentes, et ce depuis les indépendances, où de nombreux pays du monde occidental ont maintenu les pays ayant conquis souvent dans le sang leur indépendance dans des relations de soumission et de dépendance, des rapports de force qui les contraignent à céder aux forces dominantes et à priver leur population d'un développement économique, social, culturel et politique auquel les autorise le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On peut regretter que nombre de ces pays, devenus indépendants, n'aient pu se soustraire à l'ensemble des éléments constituant la permanence du paradigme de la colonialité du pouvoir, et particulièrement après la conférence de Bandung, où les États, réunis en 1955, s'étaient rebellés contre le statu quo imposé par la violence de la domination coloniale des États européens et avaient réfléchi à des modèles alternatifs. N'ont jamais été remises en cause dans les relations eurocentriques tissées profondément dans la conviction de la hiérarchisation des races
et des cultures et de la supériorité du Nord sur le Sud. Dès lors, les transgressions systématiques des préambules, des buts et des principes de la Charte et de la Déclaration universelle, qui sont autant de violations des obligations internationales des États, ont été présentées comme étant la norme obligée pour parvenir à un universalisme fantasmé par ceux qui le mettaient en avant pour mieux garantir leur hégémonie politique, culturelle, juridique et celle concernant aussi la construction des savoirs. En même temps, on ne peut nier que depuis la Seconde Guerre mondiale, la société internationale et les relations internationales entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste ont été de facto façonnées par des rapports de force plus ou moins équilibrés. L'une des caractéristiques du droit international était sa nature hétérogène et relativement pluraliste, essentiellement pendant la période où le poids des nouveaux États indépendants commençait à peser sur la balance des relations internationales. Tout semblait possible. Le droit à la nationalisation, le droit à l'expropriation, le droit des peuples sur leurs ressources naturelles, le contrôle des activités des firmes transnationales, des capitaux et du transfert des capitaux, le droit au développement, le nouvel ordre économique international auquel est maintenant opposé le nouvel ordre mondial. Lors de la disparition du bloc socialiste, le droit international a connu une dégradation généralisée avec des répercussions directes sur le droit interne des États, spécialement en ce qui touche l'exercice des compétences des pouvoirs publics. Ce changement est encore plus visible sur l'État avec un recul des fonctions de l'État sur le plan de l'exercice traditionnel de ses compétences, une réduction du rôle des pouvoirs publics obligés de régler juridiquement les privatisations et la vente des biens publics aux transnationales, entraînant nombre de restructurations avec à la clé le licenciement de salariés. En un mot, le rôle de l'État. En perdant la maîtrise des politiques économiques, sociales et financières, s'est réduit à celui de gardien des intérêts privés et le pouvoir politique, enfoncé dans une profonde crise de crédibilité et de légitimité, est devenu le véhicule des valeurs du capitalisme. Bien sûr, l'ordre international n'est pas étranger à la restructuration du rôle de l'État et des pouvoirs publics. Sur le plan politique des relations internationales, la dégradation s'est encore accrue. Les rapports sociaux internationaux et les relations internationales sont façonnés par une structure unipolaire caractérisée par le rôle dominant des États-Unis, avec un soutien inconditionnel de la politique israélienne d'occupation illégale de la Palestine et en ce moment même à l'acceptation des bombardements sur la bande de Gaza comme ceux qui avaient eu lieu pendant l'opération Plomb durci, mais aussi avec l'opération militaire Renard du désert contre l'Irak, sans autorisation du Conseil de sécurité, l'agression contre l'Afghanistan et la mise en place d'un gouvernement satellite sans aucun encadrement de ses actions impériales. Soutien aussi total à Israël lors de la guerre contre le Liban en 2006, implantation de bases Africom avec la volonté hégémonique de s'étendre sur l'Afrique alors que des conflits géopolitiques, économiques et géostratégiques minent le continent. Cette stratégie n'est pas sans conséquence sur le système de sécurité collective construite après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sur les règles du droit international en tant que système de régulation des rapports sociaux internationaux. Si les États-Unis sont devenus, dans ce processus de déstructuration du droit ancien, l'acteur étatique principal des relations internationales, leurs alliés et leurs satellites européens y participent activement par la restauration d'un ordre mondial que l'on croyait disparu à jamais. C'est ainsi que, sur la scène internationale, revient avec force la notion d'État civilisé, de nature occidentale et porteuse d'ordre, face à des États et des peuples dits non civilisés, ne pouvant bénéficier de la protection du droit en général et du droit international en particulier, et où sont réifiées les relations coloniales de pouvoir. Ainsi est restauré ce qu'Étienne Balibar appelle le rapport maître-esclave. Auparavant, il y avait des civilisations supérieures à d'autres. Maintenant, il y a des civilisations incompatibles
et sont particulièrement ciblées, le continent africain, les personnes d'origine africaine, avec l'expression d'une afrophobie assumée, mais aussi les personnes de religion de l'islam, avec son lot d'islamophobie. Au nom de cette incompatibilité, une partie du monde est soumise à une pauvreté généralisée et au pillage de ses ressources naturelles, à l'exclusion, au détriment de la coopération, de la paix et de la sécurité internationale. C'est un retour vers le droit international dans ses sources originaires qui a dominé la scène internationale jusqu'à la moitié du XXe siècle, un système de droit essentiellement occidental et néocolonial. Ces États autodéclarés civilisés partent, au nom d'une nouvelle civilisation, comme jadis l'invasion européenne des terres américaines ou africaines, dans une croisade qui cache mal les politiques et les visées de soumission des peuples et d'appropriation des ressources communes. Leur violence n'a plus de paramètres de régulation juridique, moins encore de limites politiques. Les États-Unis et leurs alliés, du Kosovo à la Bosnie, en passant par l'Afghanistan, l'Irak, Haïti ou la République démocratique du Congo, n'ont pas hésité à faire appel à un régime de tutelle, renvoyant au système de protectorat et de mandat mis en place par la Société des Nations entre les deux guerres, ou à introduire par force la responsabilité de protéger, les autorisant à intervenir dans certains pays en violation de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Mais bien sûr, en abandonnant d'autres pays, et la Syrie à ce sujet est l'exemple le plus choquant de l'incurie de la communauté internationale. Si besoin est, les États-Unis délèguent leur pouvoir à un de leurs alliés qui trouve toujours de bonnes raisons pour envoyer des troupes sur des territoires qu'ils avaient colonisés. Ainsi, la France est revenue en Côte d'Ivoire, au Mali, est intervenue sous couvert de l'OTAN, en Bosnie et en Libye, tout en restant incapable de répondre aux problèmes face auxquels sont ces pays et leurs populations. Et l'ONU, qui devrait être l'élément de contention et de régulation juridique de la violence, participe dans cette croisade de conquête du monde par l'intermédiaire de sociétés transnationales, entre autres par la mise en place de partenariats publics-privés. N'oublions pas, dès 1999, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait lancé, à l'occasion du forum de Davos, le Global Compact, qui devait stimuler l'application des droits sociaux et économiques ainsi que des normes environnementales par les entreprises transnationales. Mais c'est dans l'érosion du système de sécurité collective que l'ordre néocolonial a été politiquement le plus frappant, notamment par les tentatives d'abolition de facto de l'interdiction générale du recours à la force ou de la menace de l'usage de la force consacrée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte. Cette violence n'est pas à l'écart du contexte du processus de mondialisation. Elle fait partie d'une offensive déclenchée, aussi bien contre les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes que contre les droits humains. En d'autres mots, contre les acquis démocratiques et contre l'ordre international dans son ensemble. Avec ces violations de l'interdiction du recours à la force est réintroduit le retour au jus ad bellum des temps anciens. Logiquement, le droit de l'exercice de la violence des plus forts contre les peuples les plus faibles. Cet ordre international néocolonial, basé sur la violence et symétrique de l'ordre économique et social de misère, construit exclusivement au nom et au profit des intérêts privés. Ordre de violence qui porte d'une part la guerre sans fin contre les peuples et qui d'autre part organise l'impunité pour ses meilleurs amis et n'hésite pas, comme cela s'est vu en Côte d'Ivoire, à aider à remettre entre les mains de la Cour pénale internationale un président accusé de crimes de guerre, alors que l'impunité est organisée, institutionnalisée pour d'autres présidents criminels de guerre. Ordre économique qui trouve son apogée avec la signature réalisée contre les peuples du traité de libre-échange transatlantique ou de l'accord bilatéral de partenariat économique avec l'Union africaine, qui va être signé demain ou après-demain par certains États de l'Ouest africain, qui sont dans l'obligation de répondre à cette demande de signature. À ce sujet,
le droit international de nature économique est, sans contexte, le corpus juridique qui reflète le mieux les mutations de l'ordre politico-juridique du monde. Sa principale caractéristique, sur le plan juridique, est la confusion et la fusion du droit avec les intérêts des marchands. C'est leur droit. C'est l'imposition du droit commercial au sens strict du terme. Les ressources naturelles, on vient de nous parler des extractions minières, un des bons exemples aussi, c'est le Chili, où des entreprises minières volent au peuple les ressources, mais aussi avec l'aide de l'État et avec l'aide des forces militaires. On peut voir aussi les micro-organismes, les écosystèmes, ainsi ont 99% de la biodiversité utilisée en France par les conglomérats pharmaceutiques viennent des départements ou des territoires d'outre-mer de cette même France, pour lesquels il n'y a évidemment aucune retombée. Le corps humain, la santé, l'éducation, la culture, la recherche scientifique, les médicaments, la production des biens sont tous soumis à la loi du marché et font l'objet d'appropriations légales par les firmes privées et par les grandes corporations transnationales. Les institutions multilatérales d'ordre économique, la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, leurs tribunaux, l'ORD, le CIRDI, ainsi que les pouvoirs de facto, le G8, le Club de Paris, mais on pourrait ajouter le G20 aussi, constituent le fer de lance de ce nouvel ordre économique international. Pour se maintenir et arriver à ses fins, ce système prédateur affirme qu'il n'y a pas d'alternative et a besoin d'ennemis de l'extérieur qu'il crée à coups de guerre sans fin, mais aussi d'ennemis de l'intérieur qu'il fabrique à coups de logique sécuritaire, visant à enfermer dans la même catégorie d'activités illicites, voire criminelles, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la migration, les manifestations de syndicats, de mouvements sociaux, d'associations, mais aussi tous ceux qu'il désigne sous le terme, entre guillemets, « les autres ». Il n'a pas trouvé d'autres moyens pour gérer les crises spéculatives. Ce retour à cette idéologie dominatrice témoigne du fait que pour le capital financier, les êtres humains ne sont rien moins que des ressources exploitables qui peuvent être expulsées, déplacées, sélectionnées, évaluées, éliminées, comme cela a été le cas durant la mise en esclavage et le colonialisme. Ces croyances fondées sur la supériorité de la race et de la culture européenne n'ont jamais cessé de peser sur l'organisation du monde. Leurs conséquences sont innombrables et s'expriment, entre autres, par une réécriture et une mystification, voire un déni d'une histoire commune qui devrait être partagée. La race devient, à ce moment-là, un mode et un résultat de la domination coloniale moderne. Et la race n'a jamais cessé d'investir tous les champs du pouvoir capitaliste, et le racisme, ainsi que le souligne Frantz Fanon, est devenu l'élément le plus visible, l'élément le plus visible, le plus quotidien, pour tout dire, à certains moments, le plus grossier d'une structure donnée. Fin de citation. Comment dès lors sortir de l'assignation raciale qui, dans les sociétés contemporaines, est toujours réelle, pour que cette catégorisation n'entraîne plus ni stigmatisation, ni domination, ni perpétuation des inégalités sociales, économiques et politiques, alors que la hiérarchie ontologique vise essentiellement à différencier pour mieux exploiter, et particulièrement dans un climat de xénophobie ascendante et d'émiettement social. Comment sortir de cette assignation à penser le monde dans une perspective occidentale supérieure ? La réunion des 77, convoquée par Evo Morales en Bolivie, devrait voir émerger un autre discours que celui des va-t-en-guerre occidentaux. Certains pays du Sud, excédés de se voir renvoyés à leur ancien statut de colonialisé, vont-ils permettre que se fendille ce cadre de référence qui jusqu'alors a été imposé par le Nord au Sud ? Il pourrait bien être rejoint et soutenu par les forces sociales du Nord qui sont épuisées par les crises financières successives et par la réduction sans fin des acquis sociaux. Dans ce contexte, certes fragile, on peut penser qu'un nouveau Bandung des peuples, dominés et aliénés, aurait son utilité.
De nombreuses voix s'élèvent effectivement pour appeler à cette organisation dès lors que ce système prédateur ne peut plus assurer les exigences indispensables à la dignité humaine et au agir monde. Les peuples d'aujourd'hui, comme le mouvement des non-alignés d'hier, ne devraient-ils pas faire entendre leur refus de la menace d'une guerre permanente et de cet ordre qui les exploite, les exclut du partage du pouvoir et des richesses, et proposer des alternatives à construire dans une solidarité partagée du Sud au Sud? N'est-il pas temps que la violence initiale portée dans la traite négrière, la mise en esclavage et le colonialisme, et qui joue un rôle de premier plan dans le processus de mutation de l'ordre économique mondial, soit transfigurée pour que les peuples soumis à des règles juridiques où les grandes mutations du droit international ont été déterminées à la fois par le changement substantiel des rapports réels entre les principaux acteurs de l'histoire et par la nature des acteurs en présence, bénéficient et participent pleinement à l'application de la totalité de leurs droits inclus dans les préambules de la Charte et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Faut-il encore que soit interrogée, déconstruite et repensée la relation entre l'épistémologie du Sud et celle du Nord pour réellement proposer des politiques, des modèles politiques alternatifs à ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de nous imposer. Je vous remercie.